Hey! Salut tout le monde et bienvenue pour cet épisode 55 de Isaac Rebirth, motherfuckers! Et j'avais dit qu'on prendrait Isaac cette fois, donc on va prendre Isaac, let's go! Alors, voilà l'acide, on va commencer direct par ça. Voilà, voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce run? Sachant que pour l'instant, je suis plus dans l'optique de tenter encore une fois les Angel Room, hein. Parce que bon, c'est Isaac, je veux dire. Oh, on commence bien, ça. J'aurais peut-être pas dû le prendre. Non, ça va. Allez. Wow. Ouais, j'aurais pas dû le prendre. Bon, c'est pas grave. C'est vrai que les cœurs gris du tout premier étage, en général, faut attendre d'avoir fait le boss, d'avoir fini l'étage pour les prendre. Histoire d'assurer le deal à l'étage d'après, donc... On va quand même péter ça pour voir s'il n'y a pas une échelle, mais non... Alors, où est l'item? Oh, ça c'est pute comme ça. Non, ça va en fait. Je m'attendais à pire. Mais ça va. Ouh la vache. Oh, bien. C'est bien d'avoir plein de bombes comme ça dès le début. Oh la vache! Ah bah putain! Ah bah on va direct aller au shop alors parce que putain! 19 pièces quoi! Waouh! Alors il y a la map, il y a la Bible. Rien à foutre quoi! Il y a la map. Bon, déjà je vais prendre la map. Puis je verrai entre le cœur gris et la clé après. En tout cas, ça sera l'un des deux, ouais. Merde. Oh merde. Bon, c'est pas grave. Ah, une clé. Bon, déjà, c'est bien. Alors, l'item, c'est le Hank. Mouais, mouais, mouais. C'est très moyen, tout ça. J'aurais peut-être pas dû le prendre, en fait. J'aurais dû le laisser pour le reroll, peut-être. Ah. Bon, c'est pas grave. Et donc, par là, il y a le boss. C'est logique. C'est le seul chemin qui reste, donc forcément... Et le boss, c'est les Gurglings. Putain, la vache. C'est un peu raide, ça, quand même. J'espère qu'ils vont me dropper un bon truc. Au moins, un bon reroll, après, quoi, je sais pas. Un truc genre mythe, ça serait parfait, quoi. Parce que là, j'ai pas l'impression de tirer très fort. En même temps, c'est normal, c'est Isaac, je viens de commencer. Y'a rien de... Merde. Bon, ne pas crever aussi, ça va être important. Quand même. Parce que perdre au tout premier étage, ce serait très con quand même. Wouah. Et merde, putain. Puis en même temps, c'est vrai que les Gurglings en premier boss, c'est abject comme truc. Mais crève, putain. Au moins un qui crève, quoi. Voilà. Putain. Bon, ça, on reroll. Ouais, bon. HP up, ok. Alors, finalement, on va acheter le cœur gris. Là, c'est obligé, je veux dire. Alors, on va péter tout ça, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. On peut très bien avoir une échelle là-dessus. Non. Ok. Et la secret room, alors Elle touche que deux salles, donc, vu la configuration de l'étage. C'est bizarre. Bon, je vais m'acheter mon cœur gris. C'est vrai qu'au pire, si je meurs, j'ai une deuxième vie. Ah merde, ça pouvait pas être là, je suis con. Enfin, ça pouvait très bien être la super secret room. Je crois que je vais garder ma bombe, honnêtement, puis on va descendre à l'étage suivant. C'est un début moyen, là, quand même. J'espère que ça va se débloquer un peu à l'étage d'après, là, parce que... Pour l'instant, c'est très très bof, quoi. Alors, Basement 2. Ouais, on va passer par là. Il y a la Curse Room. Donc ça, on ira après le boss. Ou bien, si j'ai d'autres cœurs gris, je ne sais pas quoi. On ira dans une situation où il me restera des cœurs gris après. Ça, c'est sûr. Wow. Ah. Wow, c'est bien, ça. Ok, parfait. Ah, le boss, d'accord. Je m'y attendais pas, ça. Ok, on va d'abord visiter l'étage, de toute façon j'ai pas de reroll là.
va passer par la grande salle. Ah, c'était pas nécessaire, putain, merde. On va peut-être leur lâcher une bombe. Ah ouais, je crois que j'en ai tué 5 d'un coup, là. Ok, parfait, donc. Non, ça va, ça se dessine bien, finalement. Ça va. C'est vrai que les grandes salles, ça peut être très chiant, mais bon. Oh. Ouais. Bon, autant faire cette salle, du coup. Oh putain, merde. Là, j'ai fait de la merde, par contre. Mais genre violent, quoi. Allez, viens là. Ok. Bon, j'aimerais bien mon item. Bon, eux, ça va encore. Faut juste faire gaffe quand ils spawnent. Sinon, c'est bon. Une clé, ça c'est bien. Au moins, on manquera pas de clé dans ce run. Ça, c'est. C'est un point positif, ça, c'est sûr. Alors. Ah, ça, c'est bien. Donc, fire rate up, ça veut dire que je tire plus vite. C'est un petit damage down, mais bon. Et aussi, je suis plus petit, donc la hitbox est réduite. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je pense que la secret room est là, puisqu'elle peut être que là, en fait. Ce qui veut dire que je peux aller dans la curse room gratuitement. Ouh, et qu'il y a une batterie ici. Ah, c'est bien, ça. Ah, putain, merde, ça, c'est pas bien, par contre. Ah, vache. C'est un peu chaud, là, oh. Faut pas que je me fasse toucher, moi. Ok, une bombe. Non, mais c'est bien, c'est bien. Donc, cette batterie, donc on va la laisser là, parce que ça va être important. Et peut-être la super secret room, elle est là. Elle est là. Elle contient le flat penny. Waouh, ça, c'est bien. Donc, flat penny, à chaque fois que je prends une pièce, une clé a une chance d'apparaître. Et on va aller au boss. Monstro. Oh la vache, c'est quoi ce bordel? Putain, c'est Monstro et la famille, quoi. C'est genre, dans la famille, Monstro, je voudrais la mère, la fille, la tante et la grand-mère. Oh la vache. Oh la vache, oh la vache. Putain, ce run, il est raide, hein, quand même. Waouh. Ah fuck! Attends, comment voulez-vous que je me. Que j'esquive tout depuis tout à l'heure là? Ok, j'en ai tué un. Très bien tout ça. Parfait, la troll bombe. Génial. Ah, il reste plus que le petit monstre à tuer. Et normalement, je devrais avoir un deal! Ah. Alors en plus, gros hormones, donc speed up, damage up, c'est génial. Bon déjà je vais prendre les cœurs gris, les cœurs noirs et je vais reroll. Ah bah je vais le prendre quand même. Ça devient Sister Maggie donc je suis pas contre hein, honnêtement. C'est pas mauvais. Non mais là ça va, le run devient bon, je suis devenu bon là d'un coup dans cet étage. Puis y'a plus rien dans l'étage, donc on va se barrer en fait. Non si y'a une merde, attends, ça peut tout changer. Non. Allez, let's go, on se casse. Direction les catacombes. Enfin non, caves d'ailleurs. La grotte. Ouais, le boss doit être à gauche. Quoique c'est peut-être l'item, je sais pas. On va aller voir. Déjà, il y a ça. Non, honnêtement, Sister Maggie, moi j'aime bien. Hein. C'est un familier qui tire fort. Donc voilà. C'est la différence avec Brother Bobby d'ailleurs. Sister Maggie tire plus fort. Mais elle tire moins souvent, je crois. Là, il y a un truc. Ouh, je crois que j'avais jamais vu cette salle. Donc ils l'ont rajouté, hein, vous voyez. Ah, mais je suis pas fou, hein. Ils rajoutent des salles, hein. Il y a plein de mises à jour de ce jeu à chaque fois. Et encore, dans Afterbirth, il y aura des salles en forme de L, donc... ça va être la merde, ça, d'ailleurs. Putain. Et donc, en fait, c'était pas une salle spéciale du tout, ça. Donc, d'accord. On va se diriger par là, du coup. Voilà, ça, c'est une bonne vieille salle qu'on connaît bien, par contre. Allez, une petite pièce dans une merde, c'est pour avoir une clé, non? Ouais, honnêtement, au niveau de mes dégâts, ça va, je suis satisfait, là. Ça crève. Ça n'a rien drop, hein, d'accord.
J'aimerais bien mon item et aussi quelques pièces pour espérer un petit shop. Ok, l'item room elle est là. Très bien. Oh, allez. Et elle contient Rotten Baby. Honnêtement, je rigole pas du tout. C'est très très bien. Très bon item ça. Je la veux cette clé, moi. Yes. Allez, 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 lève-toi. Lève-toi. Et meurs. Voilà. Yeah. Alors la secret room. Ah non, elle est pas là en fait. Ah non. Mais où est-elle? Et dans ton cul. Allez, Larry Junior, tu vas mourir. Sérieusement, elle est... Ah ouais, non, elle est là-haut. C'est le seul endroit où elle peut être, donc elle est forcément là. C'était pourtant le seul endroit, hein. Bon, tant pis. En fait, non, quoi. Bon, bah, on va se faire le boss. Et le boss, c'est Pestilence. Donc, en plus, on va reroll son truc, parce qu'un cube of Fridge, j'en ai rien à foutre. Je préférerais avoir quelque chose d'un peu mieux. Même si c'est Pigeon Boy, ça m'intéresse parce que les pièces, ça me fait des clés. Donc peu importe le drop, là, j'ai envie de dire. Oh, y'a un deal. Ouh, attendez, ça change tout. Oh la vache. Bon, c'est pas grave, je l'aurais pris quand même. Pandora's Box dans Caves. Ah, je sais plus ce que ça fait, merde. Ah, ça donne un item, d'accord. Bah, je crois que je vais reroll ces deux trucs, en fait. Ah bah, non, j'ai toute la famille là, dis donc. D'ailleurs, je crois que c'est le truc du challenge, là. Ah non, en fait, regardez, les deux, ils tirent bien en même temps. En fait, c'est juste que le Sister Maggie est un peu plus fort, quoi. Ou alors, c'est le même objet, je sais pas. Et puis, Gimpy, je vais le prendre. Honnêtement, j'ai rien contre. Du coup, je vais prendre le Cube of Meat, tant pis. C'est une prise de risque, hein. Allez, hop, on descend. Il faut prendre des risques, des fois. C'est comme ça, et puis c'est tout. Alors, catacombe 2, le boss doit être en bas à gauche, je dirais. Donc ça veut dire qu'on va aller en haut à droite. Top. Là, je veux mon item. Et j'aimerais tellement avoir le BFF, quoi. Parce que là... Déjà que moi-même, je fais mal, familier aussi. Ah, nickel, c'est l'item. C'est ça d'avoir la map, tu peux analyser et tout, tu peux trouver où c'est le truc. Stigmata, c'est parfait. Franchement, rien à dire, damage up, HP up. Enfin, c'est exactement Myth en fait, c'est le même objet. C'est... Ça fait exactement la même chose. Donc on va... Merde. Donc on va, la vache. Ouah, cette salle. Oh la vache. Un peu violent. On va monter par là. Peut-être que le boss est là, voilà. Allez, la clé. Voilà. Je me gratte l'œil deux secondes. Voilà. Non, 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 non. Toi, tu meurs. Et j'ai un reroll. Comme ça, si le boss, il est là, il est pas là. Bah, voilà, c'est bien ce que je disais. Hein. Avec trois pièces, c'est pas trop la peine d'aller au shop. Hein. Non, bah on va se diriger en bas, de toute façon c'est le... ça doit être le boss. Ok, des chauves-souris, ça, ça va. Je veux dire, avec Death Touch en plus, il n'y a pas de problème, quoi. Il y a la Curse Room ici, donc s'il y a la Secret Room... Attends, c'est où? C'est là, ok. S'il y a la Secret Room ici, c'est parfait. Yeah! Ok, alors ça, je m'en fous, c'est pas un rocher X, ça, non. On va rentrer dans la Curse Room par là. Ouh. Moi je dis, il y a potentiel. Déjà, ça valait le coup. Ouais, bon. Bon, bon, bon. 3 bombes pour un cœur gris. Je sais pas trop si ça vaut le coup, finalement. Et après, bon, un cœur gris, c'est toujours ça, c'est sûr. Ah merde. Remarque, c'est vrai que j'ai Gimpy qui me permet de dropper des cœurs gris. Oh la vache. J'avais jamais vu cette salle non plus. Et j'ai plus de bombes, évidemment. J'avoue que Burn Penny, ça serait pas mal en fait. Bon, puis on va aller se faire le boss.
The Hollow. Donc ça va, ça c'est une boss facile. La preuve, hein, je veux dire, je le déchire. Voilà, c'est fait. Alors, Jesus Juicer, il roll pas, de toute façon, ça c'est sûr. Allez, Brimstone. Oh la vache. Le plus chiant dans l'histoire, c'est que je peux en prendre qu'un. Sa mère. Ah, quoi qu'attends, si je prends ça et que je reviens dans la salle. Attends, c'est quel étage là? C'est Catacombe 2? Putain, vous auriez pris quoi, vous? Sérieusement? La vache! Les trois items ont une très bonne raison d'être pris, quoi. Ah, je vais la prendre, quand même. Ah oui, attends, je peux reroll maintenant pour voir ce que je... Ouais, voilà, si je reroll, là, ça fera des trucs à cœur gris, donc... Bon, bah... Y a pas à chier, je veux dire. Dead Cat. C'est mon premier objet de Guppy. C'est assez bizarre quand même. Ok. Et du coup, si je reviens... Ouais, ça reste Rocker Grid, d'accord. Bon. C'est bizarre, mais je prends le risque. C'est un risque que je dois prendre. Curse of the Maze. Ah, c'est pas bon ça, par contre. Parce que la Curse of the Maze, c'est la curse qui rend fou, quoi. Alors. Première pilule de tout le truc, je crois, là. Ok. Non, mais je sais pas, je le sens bien quand même. Je sens que c'était pas un mauvais choix. Même si j'avoue que Ceremonial Robes, ça m'aurait fait encore plus plaisir. Mais... Ah, ok, ça c'est le boss. Bon. Sachant que j'aurai un deal à chaque fois, bien sûr, avec la Godhead. J'aimerais quand même trouver mon item, ou au moins avoir un reroll avant le boss. Ah ouais, plutôt, mais... Du coup, l'item est peut-être en bas. Ah putain, merde. Curse of the Maze, à la con! Parce que non seulement Curse of the Maze, ça te paume dans l'étage et tu fais... Ça te met dans une autre salle, mais en plus, ça change le contenu des salles. Du coup, c'est le bordel, quoi. Allez, on va se faire le boss. C'est Depth 1, là, hein? Ouais, ok. Parfait. Let's go. C'est War! Donc, j'aimerais bien... Alors quoi que remarque un deuxième cube of meat maintenant, je suis pas contre. Putain la vache, ne meurs pas. Ne pas mourir, ça va être important aussi. Alors, déjà on va voir ce qu'il y a là-dedans. Il y a Judas Shadow. Je peux me tuer pour le prendre. Il y a War of Babylon, je peux me tuer pour le prendre. L'appel, j'en ai rien à carrer honnêtement. Je crois que je vais reroll en fait. Remarque, je peux en prendre plusieurs. Je veux dire, il suffit de mourir, puis je reviens avec un cœur. Et du coup, je reprends des trucs. Du coup, je vais carrément prendre Dark Matter. Tant pis. Book of Belial, ça m'intéresse pas. Bon, autant le prendre tout de suite, le Cube of Meat. Ça me fait un truc au niveau 2, au moins. C'est quand même bizarre comme run, là, je dois avouer. Allez, 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 allez! Ah, mais c'est ça, il faut rentabiliser le Dead Cat, quoi, c'est tout. Hein, c'est... Surtout qu'à ma dernière vie, ce sera Blue Baby, donc en plus, c'est important, quoi. Alors, des cœurs gris, c'est génial. Je sais pas si je les prends tout de suite, par contre, en fait. Quoique si, en fait, je suis con. Si je prends un deal, comme ça, je meurs pas, c'est bien. Je peux encore reroll le deal, je pense, donc on va peut-être essayer ça. Ouais. Oh putain. Ok. Ah, c'est vrai que j'ai le flat béni en plus. Très très bien. L'item est peut-être en haut. Il n'est pas en haut. C'est pas grave. Putain, quel run bizarre, n'empêche. Ok, des mouches. Il y a un rocher X. Je l'ai vu. Bien, très bien ça. Donc l'item est là, enfin, par là. Voilà. Oh, intéressant ça.
Alors attends, déjà je vais aller voir ce qu'il y a là. Ouais, ma gizmo. Allez, honnêtement, ouais. Et puis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, j'ai dit? Un, ça me reroll moi, donc non. J'ai pas trop envie de changer de run, là. On va faire comme s'il n'y était pas. Et honnêtement, on va farmer un reroll, je pense, avec les salles qui restent. Bah donc là-haut, quoi. Oh putain de curse! Putain, c'est chiant ça! Mais crève et crève! C'est quand même très bizarre! Allez, encore une salle avec un ennemi dedans. Suspense total. Voilà, nickel. Je suis allé au shop? Non, je suis pas allé au shop, parce que j'avais pas de pièces tout à l'heure. Là, maintenant que j'en ai 15, ça change tout. Surtout s'il y a une batterie dedans, putain. Ah, il y a Grid, fuck. Bon, remarque s'il faut dropper la Steam Sale, peut-être. Bon, remarque, plein de pièces, ça me fait une clé, ouais, bon. Alors, on va reroll le Book of Belial. Parce que, honnêtement, pas besoin, quoi. Ça devient Guppy's Herbal, je prends. Donc là, j'ai deux items de Guppy. Je crois, non? Je suis Guppy? Je crois que je suis Guppy, en fait. Je vole? Ça veut dire que je suis Guppy? Attends, j'ai eu quoi de Guppy Tail? Ah, j'ai Guppy's Tail! Ah, ouais! Ah bah d'accord, donc je suis Guppy, ça y est. Ah bah, comme quoi, c'était la bonne solution, finalement. Parfait! Ok, nickel. Allez, Dems 2. On va commencer direct par ça. Non, finalement, il est très bien, ce raid. Il est très cheaté, même. Vous voyez, hein, le D6, hein, c'est tout. Hein, c'est trop cheaté, quoi. Ah, par là, il n'y a rien, d'accord. Par là, peut-être. Des fantômes. Barrez-vous. Alors que j'ai des bombes, on va peut-être en mettre une là. J'ai bien raté, ça c'est cool. Curse Room. Allez, ouais. Balls of Steel. Oh, c'est bon. Y'a rien par là, putain. Mais à quoi sert cet étage? Bon, bon, bon. On enchaîne. Pas de problème. Ah. Oh, Joker, yes. Excellent. Donc ça veut dire qu'à la cathédrale, ou à Sheol d'ailleurs, je ne sais pas. On aura quelque chose. Non, je pense plutôt cathédrale. On va aller au chest, ouais, tranquille. Ah bah putain. Alors, y'a quoi là-dedans? Ouais. Pourquoi pas? Bah en fait, ouais, carrément. On va tout faire péter ici, puis voilà. J'ai parfaitement raté tout ça, c'est génial. Bref, puis merde. High Priestess. Bon, j'en ai rien à foutre, de toute façon, je garde mon Joker, évidemment. Je vais mettre une bombe ici, peut-être. The Stars. Ah, bah voilà, c'est bien ça. Ah, ça devient flush. Du coup, on va reroll. Bon, on va le prendre, histoire de pouvoir reroll le boss, plutôt. Alors, on va oublier d'aller rechercher le Joker. Et d'aller au shop, quand même. Parce que le shop contient une batterie, en fait, ça peut être pas mal. Bah, en fait, on va carrément la prendre. On va acheter la bombe. Voilà. Je veux dire, j'ai besoin de rien d'autre, donc je quitte. Hein. Et puis, on va aller se faire le boss. Le boss, c'est Mom. Merde! Ah, j'ai fait de la merde.
Je voulais faire tab, je voulais pas appuyer sur A. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, c'est bon. C'est pardonné, tout va bien. La vache, allez, mum. Bon, j'ai dit qu'on allait au chest. Mais ouais, Brimstone, quoi. Oh la vache. Le run devient n'importe quoi. C'est pas grave si je rate un deal, tant pis. Ah, bon pixel, merde. Ça veut dire que je rate encore un deal. Oh la vache, la taille de l'étage. Bon, je pense que le boss est tout en haut à gauche. Donc on va se diriger par là. Ah bah putain. Oh les Gurglings qui m'ont tellement fait chier au début du run. Ah ouais merde. Ils sont chiants aussi. Bah tout est chiant à ce stade du jeu là de toute façon. Si je pouvais avoir une rune Gera par contre, ça serait génial ça. Ah. Enfin, ça fait des clés mais j'en ai beaucoup là. Ça sert à rien. Ok. On progresse, on progresse. Hangman, ouais, ça sert à rien, c'est bien. Ouais. Ah, c'est un double. Ah, mais non, c'est pas un double, c'est XL. Donc. Oh, Triacnide. Putain, ça fait longtemps. Et malheureusement, t'es déjà mort. On va carrément prendre ça, et puis Eclipse. Ah, il dice pas encore, bon d'accord. Je pensais que c'était un one shot, en fait non. Bah ça va pas tarder, de toute façon, vu le nombre de mouches que je génère. Et puis j'ai dit qu'on allait au chest, donc cathédrale. C'est là que j'aurais dû faire mon joker, mais bon, c'est pas grave, je ne regrette absolument pas. Donc le boss, je dirais qu'il est... ici, mais je pense, hein. Ouais, il suffit d'analyser la map, hein. Au bout d'un moment tu comprends quoi. Ouais, honnêtement, pourquoi pas, vu que j'ai plus trop besoin de clés là. Oh putain, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait 4 en fait. Allez, oh, oh, oh. Faut pas hésiter à faire la challenge room de la cathédrale, elle est toujours bidon. Enfin, le pire c'est celle de Sheol qui est bidon en fait. Je crois que c'est Pin Widow et je sais plus quoi, donc un truc bien pourri quoi. Ah cette fois Isaac ça va pas faire comme l'épisode d'avant, putain. Cette fois je vais te défoncer sa mère quoi. Enfin, remarque non, j'ai déjà défoncé sa mère. non. Et la grande salle, remplie de fantômes, truc chiant quoi. Bon, au niveau des mains de mum, je pense que c'est bon. Ouais, voilà, c'est fait. Ah, il est pas là le boss en fait. Ah, il doit être. Ouais, il est par là. J'avais un peu de mal à analyser la map. Mais c'est pas grave. De toute façon, il fallait passer par là. Donc... voilà, il est là. Oh, le petit cœur gris en plus. Allez, let's go. Isaac contre Isaac. Sauf que cette fois, c'est une pif, là. Voilà. Ça, c'est réglé. Alors, je n'ai pas la left hand. Let's go to the fucking chest. Et là, c'est objectif dead ski, hein, comme d'hab. Hein. Alors. Rosary. Firemind. The Body, Monstrous Tooth. Alors, il y a des trucs qui sont très bien là-dedans, mais objectif Datsuki, hein. Oh putain. Alors, le D4, donc non. La Prayer Card, donc ouais. Le Forget Me Now, ça peut être intéressant, ça. Bon, de toute façon, on va faire quelques salles, on va reroll. Et je pense que je vais essayer de foutre le Forget Me Now autre part que dans cette salle, histoire de pouvoir l'utiliser après, en fait. On va refaire le chest, ça c'est sûr. Donc il me faudrait un coffre, n'importe quoi. Un coffre où je peux remplacer l'item, quoi.
Balls of Steel, yeah. Mais en fait, pourquoi je garde ça? J'en ai rien à foutre. Ah, bien. Je vais le prendre, honnêtement. De toute façon, la famille s'agrandit. Hein. Alors, ça m'arrange, et en même temps, ça m'arrange pas. Bucket of Lard, non merci, j'en ai pas besoin. Ah, oh, salaud. Ça, j'y vois rien. Ah. Ça, c'est cancer. Très, très bon. Très inutile, mais très bon. Oh la vache. Putain, c'est la sale bordel, celle-là. Ah, il reste un truc. Ouais. Allez, crève. Voilà. Allez, un coffre. Common Cold, c'est bien. Alors par contre, j'ai un reroll là, c'est dommage parce que... Je sais pas comment faire en fait. Parce que si je reroll ça, je perds Forget Me Now, c'est dommage quand même. Je vais retenter encore une salle peut-être. Oh, le rayon il est vert du coup. Ah, pas de coffre. Je vais d'abord prioriser le Forget Me Now, forcément, quoi, je veux dire. Ça fait quand même 4 items de plus, plus tout l'étage. Donc c'est peut-être mieux que d'en reroll juste 4, quoi. Bon, bah, Roid Rage, ok. What? Allez, d'accord, il reste toute une partie de l'étage. Alors... Double méga mort. Eh ben il est double méga mort. Oh, donnez-moi des coffres. Je veux que des coffres. Wheel of Fortune. Ah. Ça donne un item, ça, non? Ouais, mais l'item en question, c'est Robo Baby 2.0. Ah. Double The Cage. Ah, j'en ai rien à carrer, parce que même ça, j'en ai un peu rien à foutre. Putain, mais merde! Wow! Ok. Oh là là! J'ai juste un coffre, moi, merde! Un coffre avec un truc que je peux remettre! Oh fuck! Oh allez, c'est pas la peine de ralentir l'échéance! Tu vas mourir, c'est tout! Bon, puis là on arrive au boss, donc ouais. Ah, jusqu'au bout, pas de coffre, hein, bon. Allez, Blue Baby, let's go. De toute façon, il va mourir tellement vite. Ouais. Voilà, ça c'est fait. Alors c'est fait, mais évidemment, c'est pas fini, hein. Ne pas oublier que, de toute façon, la Secret Room doit être là. Là, peut-être. Merde. Oh putain, bon attends, je me casse de là parce que cette salle elle est chiante. Doit être par là. Ouais, elle est là. Elle contient des pièces. C'est pas utile. Bon. Alors, ce qu'on va faire du coup, c'est Forget Me Now. Ça fait un peu chier tout de même, mais bon. Bah du coup, autant prendre ça en fait. Et puis, ben... Forget Me Now, on se retape le chest. Objectif Dead Key, donc, hein. Alors, le parasite, Cricket Body, Aries et Aquarius. Putain, ça aurait été bien si j'avais des Tears. On va les laisser là, de toute façon, tant que c'est pas Dead Key, ça m'intéresse pas. Donc si j'ai une chance de pouvoir reroll, au moins je pourrais. On va optimiser ça au max, hein, de toute façon. Libra, je sais pas si je fais bien de le prendre. Mais pour le LOL, on va le prendre quand même. Je vais voir ce que ça donne. Ok, je charge instant. Waouh. Par contre, est-ce que je fais aussi mal? Ah, je fais mal quand même. Ok.
Encore le bucket of lard qui m'intéresse pas. Ah ouais, Libra Brimstone, c'est quand même marrant. Speed down. Pas terrible. Ok. Non, mais pour l'instant, de toute façon, on est bon là, je veux dire. Hein. Essayer d'avoir la Natsuki, c'est le suspense. Ah. Mamzai, bon. T'as remarqué avec Brimstone, pourquoi pas. Allez, The Moon. Alors, la Secret Room contient des pièces. D'accord. La grande salle. Ah merde. Bon, c'est pas grave. Je veux dire, à ce stade, je m'en fous, quoi. Franchement. Ok, pas de coffre, putain. Ouh la vache. Ah, une vie. Connasse. Allez, des coffres. Datsuki, quoi, merde. Ah. Lost contact, mouais. Moi, mon rayon maintenant détruit les tirs ennemis. Ah merde, ok. C'est marrant dans le noir, quoi. Allez, double The Husk, rien à foutre, ce boss, il est bidon, ça sent. Ah, mais y'a pas de coffre. Moi, je veux des coffres. Donnez-moi des coffres. Ouais, de toute façon, c'est par là. Alors. Oh, allez Ah, Lucky Foot, d'accord, c'est bien. Ça sert à rien, mais c'est bien. C'est pas comme si j'avais besoin de chance, là, à ce stade du jeu. T'as remarqué, si, peut-être, pour avoir des coffres, je crois que ça influe. D'accord, on va passer par là, du coup. Ça, il reste plus que ça, donc. Ah, oh, mais allez. Putain. Bon, bah, dernière chance, là, je crois. Hein. Oh là là. Peut-être la Super Secret Room. Ouais. Ah. Bon, bah, écoutez, hein. On a fait ce qu'on a pu. Enfin, c'est pas fini encore, mais bon. C'est comme si, hein. C'est vrai que c'était quand même bien cheaté tout ça. Bon bah voilà, fin du run, fin de l'épisode. J'ai fait tout ce que j'ai pu là, j'ai fait deux fois le chest. Mais la Datsuki n'est pas venue. Bah tant pis, hein, écoutez, on fera 100, puis voilà. Hein. On a quand même eu un bon run, bien cheaté, très bizarre au début quand même. Mais bon, hein, c'est bien passé. Donc voilà. Prochain épisode, on prendra Eden. Voilà. C'est confirmé. Et du coup, donc c'est la fin de cet épisode. Rendez-vous au suivant, je prendrai Eden. Et donc, salut à tous, portez-vous bien, et joyeux Noël, bitches!